Bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez à présent. Nous allons suivre tout au long de cette journée la visite du pape François en Toscane, plus précisément à Prato tout d'abord, dont vous voyez ici la place de la cathédrale, puis à Florence, une dixième visite pastorale pour le pape François en Italie, visite pastorale en Toscane à l'occasion du 5e congrès national de l'Église italienne, qui se tient à Florence depuis hier et ce jusqu'à vendredi prochain. Le Saint-Père vient tout d'abord donc ici à Prato, situé à 20 km environ de Florence, 15 à 20 km, à la rencontre tout d'abord du monde du travail. Il gagnera donc ensuite Florence pour rencontrer à 10h les participants à ce 5e congrès national de l'Église italienne, organisé donc du 9 au 13 novembre, sur le thème « En Jésus-Christ, le nouvel humanisme ». À la mi-journée, vers 12h, le pape François rencontrera les malades et priera avec eux l'Angélus dans la basilique de la Très-Sainte Annonciation. Et puis le chef de l'Église catholique déjeunera avec les plus pauvres dans la cantine de Saint-François, le Petit Pauvre, une cantine gérée par la Caritas diocésaine près de la même basilique. Et enfin, nous retrouverons le pape avec la population florentine. Le Saint-Père présidera la messe aux alentours de 15h au stade municipal Artemio Franchi, qui peut accueillir jusqu'à 50 000 personnes. Et enfin, au terme de cette journée, le Saint-Père reprendra l'hélicoptère vers 17h pour arriver au Vatican une heure plus tard. Il faut savoir que la dernière venue d'un pape en Toscane fut celle du saint pape Jean-Paul II, qui effectua une visite pastorale dans cette région en octobre 1986. Et c'est donc un peu moins de 30 ans après qu'un pape visite à nouveau cette région. Alors nous suivons donc pour l'heure cette première étape du Saint-Père avec cette rencontre du monde du travail, cette place de la cathédrale de cette ville industrielle textile de Prato. Le pape, dont l'hélicoptère est parti du Vatican à 7h pour atterrir il y a donc peu de temps aux alentours de 8h sur le terrain de sport de la ville. Et le Saint-Père était accueilli à sa descente d'hélicoptère par Monseigneur Franco Agostinelli, évêque du diocèse de Prato, Madame Maria Laura Simonetti, préfète de la région, et le maire de la ville, Matteo Bifoni.
puis, je vous le disais, eh bien, Prato est une ville industrielle et plus précisément spécialisée dans l'industrie textile. Prato, qui compte 190 000 habitants et qui traverse une grave crise économique, et concentre un grand nombre de travailleurs de nationalités diverses, parmi lesquels quelques 20 000 Chinois. Forte concentration de population chinoise en Europe, avec Londres et Paris. Voilà donc, le pape François pénètre à présent, non sans saluer cette foule en liesse, va pénétrer dans un instant donc, dans la cathédrale Saint-Étienne, où il va se recueillir quelques instants devant le Saint-Sacrement et vénérer la relique de la ceinture de la Vierge. Cette cathédrale est l'une des plus anciennes églises de Prato, déjà nommée au Xe siècle paroisse de Saint-Étienne, l'église principale de Borgo al Cornio, la cité primitive de Prato. Elle a été restructurée du 10 au 15e siècle. Saint-Père toujours attentif aux personnes âgées et handicapées.
Voilà, l'intérieur de cette cathédrale est de style romano-pisan et possède trois nefs, séparées, vous le voyez, par des colonnes de marbre, le marbre de Prato, dit aussi serpentine. Puis sachez que c'est une chapelle du XIVe siècle, en cette cathédrale Saint-Étienne, qui est dédiée à la Sainte Ceinture et décorée d'une Vierge à l'Enfant de Pisano et des fresques d'Agnolo Gaddi qui comptent l'histoire de cette relique. Une relique dont l'ostension publique a lieu encore aujourd'hui à Noël, à Pâques, le 1er mai, le 15 août et le 8 septembre. Thank you.
Un mot encore sur la Sacra Cintola, la ceinture de la Vierge Marie. On raconte que cette relique aurait été rapportée de Jérusalem en 1141 par le marchand de Prato, Michele Dagomari, qui l'aurait reçue en dot du père de son épouse en Palestine, où on la lui aurait volée. Et elle est donc conservée dans cette chapelle du Duomo, de la cathédrale, et présentée, je vous le disais, à la foule 5 fois par an. En plus de la vénération d'un très grand nombre de fidèles régulièrement, la Cintola a reçu et reçoit également celle de nombreux personnages illustres comme Saint François, en 1212, le pape Alexandre V, le roi Louis d'Anjou, Saint Bernard, le pape Eugène IV, l'empereur byzantin Jean VIII, Jeanne d'Autriche, Marie de Médicis, le pape Pie VII, le pape Pie IX et le pape Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, en 1986. Voilà, vous voyez l'extérieur de cette cathédrale en pierre blanche de Grosseto et le marbre vert de Prato. Prato, je vous le disais, est une ville qui compte 190 000 habitants, même si elle n'est pas exceptionnellement chef-lieu, alors qu'elle a effectivement une très nombreuse population, en raison de sa proximité évidemment avec Florence, capitale de la Toscane. Et Prato est connu pour avoir été toujours, durant la Renaissance, une place financière européenne de tout premier plan. Il faut savoir que c'est dans cette ville que Francesco Di Marco Datini a inventé la lettre de change pour que les commerçants puissent traverser l'Europe sans risque de se faire détrousser. Ce banquier a inventé cet usage, ce qui fut évidemment très utile, notamment pour le commerce avec les pays de la Hanse du nord de l'Europe. Voilà le pape qui va s'adresser dans un moment à la foule. Il devrait y avoir d'abord le mot d'accueil de l'évêque de Prato, Monseigneur Franco Agostinelli. Sainteté, cher Père, c'est une grande joie de vous avoir ici, de vous saluer, écouter votre parole, recevoir votre bénédiction. C'est une heure de grâce que la Providence nous accorde et nous dit toute la grandeur de son cœur de Père et de Pasteur qui décide de commencer depuis ici, de Prato, la rencontre avec les représentants des églises d'Italie qui se trouvent actuellement à Florence. Merci. Sainteté. C'est la voix de notre cœur, la voix de cette foule qui vous voyez ici, qui n'est pas poussée par la curiosité, mais par le souhait de partager avec vous ce temps, même si c'est un temps bref. Un grand merci, sans distinction, puisque société civile et église à Prato ont marché ensemble pendant les siècles. Saint Jean-Paul II, qui avait visité Prato le 19 mars 1986, avait dit « Prato, ville et temple ont grandi en même temps, ensemble. Venus de différentes parties d'Italie et du monde, nous sommes une communauté, un laboratoire de cohabitation, de travail,
entreprise de solidarité et de spiritualité. Nous sommes une communauté en transformation sociale, culturelle, un défi gagnante, un défi difficile pour cette Église en sortie que vous souhaitez comme style pastoral. Nous sommes une communauté avec ses gloires, ses blessures, avec un passé riche de tant de cultures et un présent qui essaye d'être à la hauteur des émergences d'aujourd'hui avec des aspects positifs et aussi des excellences et des beautés innovatrices. Deux situations les plus remarquantes et urgentes que nous vivons sont la transformation du monde du travail et l'immigration, qui est aussi ressource et engagement sérieux pour l'intégration vers une société qui va vers une nouvelle humanité de convivialité, un chemin difficile qui donne des résultats qui ne sont pas immédiats, mais a vu notre peuple toujours engagé à jeter des ponts et pas à soulever des murs, qui a toujours essayé d'établir des occasions et des lieux de coopération, de confrontation et d'entente pour évaluer, suggérer, décider des parcours de vivabilité et de progrès, même dans les moments les plus difficiles. Je profite, Sainteté, pour vous dire un grand merci pour les synodes sur la famille et pour l'année jubilaire qui commencera bientôt. S'unissent à ma bienvenue le plus affectueuse aussi tous les présents, particulièrement l'évêque émérite Monseigneur Gastone, les prêtres, les religieux, les religieuses, le maire, le préfet et le représentant des institutions du monde politique, social, culturel, les malades, les personnes âgées et nos frères prisonniers et tous les autres qui auraient souhaité nous rejoindre et qui, pour différentes raisons, n'ont pas pu être présents parmi nous. Mais vous savez, Sainteté, que nous vous aimons, que nous prions pour vous et avec... Nous prions la Vierge toujours sainte, la Mère de Dieu, Notre-Dame de Sacro Cingolo. Soyez certains que nous suivons avec loyauté toutes vos indications. Nous suivrons avec loyauté les indications de votre magistère pour être avec vous une Église en sortie vers les périphéries existentielles de notre temps et de notre territoire pour revenir parmi les gens et avec toute l'Église être les témoins de la joie de l'Évangile et de la miséricorde avec laquelle Dieu nous accueille et que nous voulons communiquer à tous. Votre parole que nous allons écouter nous réconforte et votre bénédiction nous renforce dans notre oui à Dieu, Seigneur de notre vie. Merci, Sainteté. Merci, Père. Voilà pour ce mot d'accueil, de salutation et de présentation du diocèse, de la région et des enjeux pastoraux de cette région, donc par l'évêque de Prato, Monseigneur Franco Agostinelli. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Ringrazio il vostro vescovo. Je remercie votre évêque, Monseigneur Agostinelli, pour les mots qu'il m'a adressés. Je salue avec affection vous tous. Et ceux qui ne peuvent pas être ici présents physiquement, particulièrement les malades, les personnes âgées
et les prisonniers qui sont actuellement dans les prisons de votre ville. Je suis venu en tant que pèlerin, un pèlerin de passage, hein, oui. Pas beaucoup, mais la volonté y est. Je suis venu dans cette ville riche d'histoire, de beauté, que tout le long des siècles a mérité la définition de la cité de Marie. Vous avez de la chance puisque vous êtes entre de bonnes mains. Il s'agit de mains maternelles qui protègent toujours, qui sont toujours ouvertes pour accueillir. Vous êtes privilégié aussi parce que vous gardez les reliques de la ceinture de la Vierge que j'ai pu vénérer. Ce signe de bénédiction pour votre ville me suggère quelques pensées suscitées aussi par la parole de Dieu. Tout d'abord, la pensée nous renvoie au chemin de salut que le peuple d'Israël avait entrepris de l'esclavage d'Égypte à la terre promise. Avant de le libérer, le Seigneur demanda de célébrer la scène pascale, de la consommer d'une façon particulière, avec la ceinture au rein. Mettre la ceinture au rein, cela signifie être prêt, se préparer pour partir, sortir pour se mettre en marche. C'est à cela que nous exhorte le Seigneur, même aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, à ne pas rester enfermé dans l'indifférence, mais à nous ouvrir, à nous sentir tous appelés et prêts à laisser quelque chose pour rejoindre quelqu'un avec qui partager la joie d'avoir rencontré le Seigneur et aussi le travail, la fatigue de marcher sur le chemin. Nous est demandé de sortir pour nous approcher des hommes et aux femmes de notre époque. Sortir, bien sûr, cela veut dire aussi prendre des risques. Sortir veut dire donc prendre des risques. Mais il n'y a pas de foi sans risque. Une foi qui ne penserait qu'à soi-même et qui reste enfermée dans une maison n'est pas fidèle à l'invitation du Seigneur qui appelle les siens à prendre l'initiative et à s'impliquer sans crainte face aux transformations souvent vertigineuses de ces dernières années. Il y a le danger de subir le tourbillon des événements en perdant donc le courage de chercher sa route. On préfère alors un refuge, un port sûr, et on renonce à prendre le large sur la parole de Jésus. Mais le Seigneur, qui veut rejoindre celui qui encore ne l'aime pas, nous pousse. Il veut qu'il naisse en nous une passion missionnaire renouvelée et qu'il nous confie une grande responsabilité. Il demande à l'Église, son épouse, de marcher sur les sentiers accidentés d'aujourd'hui, d'accompagner celui qui a égaré le chemin, de placer les tentes d'espérance ou pouvoir accueillir les blessés et qui n'attend plus rien de la vie. C'est cela qu'il nous demande, Jésus. Et lui-même nous donne l'exemple s'approchant de nous.
La ceinture de la Vierge, en effet, rappelle aussi le geste réalisé par Jésus lors de sa scène pascale, lorsque il serra sa ceinture sur ses côtés comme un serviteur et lava les pieds de ses disciples. Afin que, comme lui l'a fait, nous le fissions nous aussi. Nous avons été servis par Dieu qui est devenu notre prochain pour servir à notre tour ceux qui sont proches de nous. Pour un disciple de Jésus, aucun proche peut devenir lointain. Même, il n'existe pas les lointains, des lointains qui soient trop éloignés, mais seulement des proches qu'il faut rejoindre. Je vous remercie pour les efforts constants que votre communauté réalise pour intégrer chaque personne en essayant de contrer la culture de l'indifférence et du déchet. Dans une époque marquée par l'incertitude et la peur, vos initiatives au soutien des plus faibles et des familles sont louables. Et des familles que vous vous engagez aussi à adopter. Alors que vous œuvrez dans la recherche des meilleures possibilités concrètes d'inclusion, ne vous découragez pas face aux difficultés. Ne vous résignez pas face à celles qui semblent des situations de cohabitation difficiles. Soyez toujours animés par le désir d'établir des véritables pactes de proximité. Voilà, de proximité. S'approcher. Il y a encore un conseil que je voudrais vous donner. Saint Paul invite les chrétiens à porter une armure particulière, celle de Dieu. Il dit en effet de s'habiller des vertus nécessaires pour affronter nos ennemis réels, qui ne sont jamais les autres, mais les esprits du mal. À la première place dans cette armure idéale apparaît la vérité autour des côtes. La vérité, écrit l'apôtre. Nous devons mettre une ceinture de vérité. Je ne peux rien donner de bon sous les trames du mensonge ou sous le manque de transparence. Chercher et choisir toujours la vérité n'est pas facile. C'est cependant une décision vitale qui doit marquer profondément l'existence de chacun et aussi de la société, afin que cette société soit plus juste et qu'elle soit plus honnête. La sacralité de chaque être humain demande le respect pour chacun, accueil et un travail digne. Un travail digne. Mais je me permets ici de rappeler les cinq hommes et les deux femmes chinois qui sont morts il y a 2 ans.
à cause d'un incendie dans la zone industrielle de Prato. Ils vivaient et ils dormaient à l'intérieur de cet établissement industriel où ils travaillaient. Donc, dans une zone avait été trouvé un petit dortoir avec, qui était fait en carton avec des lits petits pour pouvoir exploiter au maximum l'espace. C'est une tragédie de l'exploitation et des conditions inhumaines de vie. Et ça, ce n'est pas un travail digne. La vie de chaque communauté exige que l'on combatte jusqu'au bout le cancer de la corruption. Que l'on combatte jusqu'au bout le cancer de la corruption et de l'exploitation des hommes, de l'exploitation dans le travail et le poison de l'illégalité dans nous, en nous et avec les autres. Nous ne devons jamais nous lasser de lutter pour la vérité, pour la justice. Je vous encourage, vous tous, et particulièrement vous, les jeunes. Ils m'ont dit que vous êtes, vous, les jeunes, vous avez fait une veillée de prière hier, toute la nuit. Merci. Merci. J'encourage vous tous, surtout vous les jeunes, à ne jamais céder au pessimisme et à la résignation. Marie est celle qui, avec la prière et avec l'amour, dans un silence actif, a transformé le samedi de la déception en l'aube de la résurrection. Si quelqu'un se sent fatigué, oppressé par les circonstances de la vie, qu'il ait confiance à notre mère. Elle est proche et elle console, puisque c'est une mère. Elle nous encourage toujours et nous invite à placer notre confiance en Dieu. Son fils ne trahira pas. Son fils ne trahira pas nos attentes et semera dans nos cœurs une espérance qui ne déçoit pas. Merci. Padre Santo, si giri qui a destra per la televisione e poi fai il giro nella sua sinistra. Voilà, en cette ville de Prato qui abrite, nous vous le disions, une communauté chinoise de travailleurs immigrés venus
en couches successives, habitaient cette région et qui vivent dans des conditions très difficiles, comme le Saint-Père l'a rappelé, avec notamment ce drame de l'incendie de ces structures industrielles qui a fait ses victimes. Le pape qui a rappelé avec fermeté qu'il fallait combattre jusqu'au bout le cancer de la corruption, de l'exploitation dans le travail et le poison, disait-il, de l'illégalité. Lutter pour la vérité et la justice. Alors que nous revoyons cette chapelle avec qui abrite donc la ceinture de la Vierge Marie, cette relique que le Saint-Père est venu vénérer, à la suite notamment du pape, du Saint-Pape Jean-Paul II, venu ici également en 1986. Quelques précisions encore sur cette communauté chinoise, donc très importante. Les premiers arrivés provenaient du Wenshu pour travailler donc dans le secteur textile. Et puis rapidement, certains d'entre eux se sont mis à leur propre compte. Ainsi, 3400 entreprises de confection avec 40 000 ouvriers entre réguliers et clandestins. 360 millions de pièces produites par an. Chiffre d'affaires énorme, estimé à 2 milliards d'euros, dont la moitié au noir, une clientèle qui provient de toute l'Europe, mais aussi d'Afrique, du Proche-Orient, d'Amérique du Sud. Le maire de Prato, lui-même, Roberto Cheni, a parlé d'un nouvel esclavage avec 30 000 à 35 000 travailleurs clandestins, et comme le pape le rappelait lui-même, des ouvriers qui dorment et qui cuisinent et travaillent 16 heures par jour, 7 jours sur 7, dans des entrepôts insalubres.
le Saint-Père, vous l'avez entendu, qui a rappelé aux habitants de Prato que cette ville était la cité de Marie. Vous êtes, disait-il, en de bonnes mains, des mains maternelles. Et puis le pape de faire part de sa réflexion à partir de l'Écriture, à partir de la Bible, le chemin de salut du peuple élu, disait-il, de l'esclavage à la liberté, s'est fait en commençant par partir avec la ceinture au rein, étant prêt pour sortir, se mettre en marche, et le pape d'exhorter, aujourd'hui plus que jamais, il nous faut nous ouvrir, laisser quelque chose pour rejoindre quelqu'un avec qui partager la joie de connaître le Seigneur. Sortir, disait le Saint-Père, signifie prendre des risques. Mais, précisait-il, il n'y a pas de foi sans risque. Le Seigneur, disait le pape, qui veut rejoindre celui qui encore ne l'aime pas, nous confie une grande responsabilité pour accompagner, accueillir les blessés qui n'attendent plus rien de la vie. Le pape François précisait que nous devions faire comme le Seigneur a fait avec nous. Et puis faisant à nouveau référence à la ceinture, cette fois-ci de la Vierge, il a rappelé que le Christ Jésus, lors de la Sainte Cène, avait lavé les pieds de ses disciples en serviteurs. Pour un disciple de Jésus, disait le pape, aucun proche ne peut être lointain. Il n'y a au fond que des proches, disait-il, qu'il faut rejoindre. Suivant son discours, le Saint-Père remerciait les habitants de Prato pour les efforts accomplis pour soutenir les plus faibles et les familles, encourageant à toujours plus d'actions pour œuvrer dans la recherche des meilleures possibilités concrètes d'inclusion, faisant implicitement référence aux différentes communautés et ethnie qui se mélange en cette ville, comme l'a également rappelé l'évêque du lieu. Soyez toujours animés par le désir véritable de proximité, disait le pape. Un conseil encore, ajoutait le Saint-Père, Saint Paul invite les chrétiens à porter l'armure de Dieu, c'est-à-dire les vertus nécessaires pour affronter nos ennemis réels, qui ne sont pas les autres, mais les esprits du mal, avec notamment la vérité pour ceinture, comme le dit la parole de Paul.
Saint-Père qui concluait son homélie, évidemment, en remerciant les jeunes pour l'accompagnement par la prière et en les encourageant à ne jamais céder au pessimisme, disait-il, ni à la résignation, et invitant toutes et tous à se confier à Marie, qui, dans un silence actif, disait-il, a transformé le samedi de la déception, le samedi de la Semaine Sainte, en une aube, disait-il, de la résurrection. La Vierge console, c'est une mère, ajoutait le pape. Elle nous invite à placer notre confiance en Dieu, son Fils, qui ne trahit pas notre confiance et qui sème dans nos cœurs une espérance qui ne déçoit pas. Puis, je vous le disais donc, c'est en 1986 que la Toscane accueillait le pape Jean-Paul II. Et en 2006, à l'initiative principalement de l'archidiocèse de Florence, une plaque a été placée dans la cathédrale, la capitale toscane, pour commémorer le passage du pape polonais. Saint Jean-Paul II avait alors tour à tour rencontré le monde de la culture, les malades, les enfants et la communauté ecclésiale, avant de célébrer lui aussi, comme le fera le pape François cet après-midi, la messe dans le stade de la ville. Tandis que le Saint-Père salue quelques
participants et les autorités ecclésiales et civiles de la cité. Rappelons ces paroles sur le repos des travailleurs. Le repos est un droit fondamental pour ceux qui travaillent, assuré le Saint-Père le 7 novembre 2015, devant des milliers d'employés du système sanitaire italien rassemblés place Saint-Pierre. Le pape a mis une nouvelle fois en avant la nécessité de respecter le repos dominical, dénonçant à nouveau les conditions de travail précaires de certains ou le travail au noir, comme il vient de le faire encore ici à Prato. Devant donc ces représentants du système sanitaire italien, le pape rappelait l'exigence de sanctifier le repos, insistant sur le caractère essentiel du repos dominical. Le repos, expliquait-il, ne doit pas être une simple abstention de la fatigue ou de l'engagement ordinaire, mais un temps qui permette de prendre soin de sa vie familiale, culturelle, sociale et religieuse. Vous contribuez, disait-il, à poser les bases afin que le repos puisse être vécu comme une dimension authentiquement humaine et ouverte ainsi à la possibilité d'une rencontre vive avec Dieu et avec les autres. Le pape d'ajouter alors, le repos est un droit que nous avons tous lorsque nous avons du travail. Mais si je suis en situation de chômage, d'injustice sociale, de travail au noir, d'une grande précarité dans le travail, comment puis-je me reposer, disait le pape. C'est une honte. Le pape d'inviter alors à une attention privilégiée pour le travail des femmes, protéger les femmes, le travail des femmes. Le pape qui a également soutenu alors que la pension de retraite était un droit également. Le Saint-Père qui salue, outre les représentants de la communauté ecclésiale et les autorités civiles, naturellement, il salue aussi des représentants des entreprises, des entrepreneurs et des ouvriers, des travailleurs de cette ville industrielle, essentiellement textile, de Prato.